Bonjour les fourmis, j'espère que vous allez bien et j'espère également que vous avez passé un très bon Noël. Aujourd'hui, le haut, ça va être très simple. Le but, c'est de transpirer, d'éliminer tous les excès de Noël. Donc le haut d'aujourd'hui, ça va être Shad. Shad, ça consiste à faire 1000 box step-up avec un sac à dos. La charge pour les hommes, c'est 20 kg. La charge pour les femmes, c'est 15 kg. Donc vous l'aurez compris, le haut va durer un certain moment. Pour les adaptations, soit vous gardez le même nombre de répétitions, mais vous réduisez la charge. Soit vous gardez la même charge, donc 20 kg pour les hommes et 15 kg pour les femmes, mais vous faites plutôt 700 répétitions. Soit vous enlevez complètement le sac à dos et vous faites les 1000 box step-up sans charge, ou alors 700 box step-up sans charge. Ou alors vous faites plutôt un format de 45 minutes, soit avec une charge, soit sans charge, comme vous voulez. Je vous conseille de soit mettre de la bonne musique, soit de regarder un épisode sur Netflix ou de ramener vos potes pour faire le haut avec vous. C'est plus sympa à plusieurs parce que ça va jouer sur votre mental. Pour la petite histoire du haut de Shad, parce qu'on fait vraiment des hauts débiles au crossfit, mais là il y a bien une raison. Shad Wilkinson, c'est un militaire des SEAL, donc aux États-Unis. Il a voulu gravir la montagne Aconcagua, la plus haute montagne d'Amérique du Sud, et il s'est dit qu'il allait mettre un sac à dos sur ses épaules et faire 1000 box step-up pour s'entraîner à gravir cette montagne. À sa mort, on lui a donc rendu hommage en rendant célèbre cet entraînement, tout comme le Murph ou encore bien d'autres. Vous pouvez regarder sur internet les WOD héros. C'est donc notre cadeau de Noël. Bon courage, prenez soin de vous, à plus les fourmis.